Allez. Deux secondes, s'il vous plaît. J'attends de voir que le live est bien sur Twitch pour que je puisse voir sur mon tel. Attendez. Oui, c'est bien sur Twitch. Le live est évidemment sur Twitch, pas sur Mixer. Donc, un petit yo dans le chat. Et on peut commencer. Donc, yo tout le monde, c'est Végétal Mon Verger, j'espère que vous allez extrêmement bien, moi ça super. Donc aujourd'hui, on va faire une distorsion là. J'ai préparé ma team spécialement pour le combat contre Helio. Je vous expliquerai la strat plus tard, mais je vous préviens, c'est pas... ça risque d'être chaud. Salut 59, comment tu vas? J'espère que tu vas bien parce que moi, ça va super. De toute façon, je n'ai pas besoin des repousses dans cette zone. Mais... Sinon, comment ça va, Fini 59? Allez. Ouais. Par contre, trouver Giratina en descendant vers là, bah oui. Bah oui, je pourrais le trouver. Ça doit bien être quelque part. En pire, si. Ça va top. Ah, je suis content que ça va bien pour toi. Mais ça va. Moi, ça va très bien en fait parce que, bah, il faut que. C'est la première fois que je vais aller à un restaurant depuis un an et demi. C'est pour ça que je me suis fait pour. De base, les lives, j'y suis en claquettes chaussettes. Faut dire qu'aujourd'hui, je suis un peu content. Allez, on saute. Allez. On est juste modifié en fait. Voilà. On explose qui aujourd'hui? Bah, on va exploser Helio pour la dernière fois et on va peut-être exploser le dernier champion d'arène. Ouais, t'es beau. Ouais, je sais, je suis très beau. Bon resto alors. Merci, c'est gentil. Encore une fois, des 59. Bon, en même temps, faut dire que je suis pas allé depuis un an et demi. Quand même. En même temps, avec. Non, c'est compliqué. Bon, alors, ouais, là on doit éclater Helio, on va peut-être éclater le dernier champion d'arène, mais j'ai des doutes. Ah, j'avais oublié que les mouvements dans cette zone, c'était le bordel. Oh, j'avais oublié. Oh, ça, faut s'y arrêter le bidon, alors bah ouais. Bah ouais, on va jamais à un restaurant pour faire une diète équilibrée. On y va tous pour manger un plat absolument délicieux, ultra gros, genre je sais pas moi, 40 hamburgers avec des frites bien gros. Allez, ouais, on est parti pour exposer Helio. Ouais, par contre, petite correction, Helio, pour aucune raison, parce que bon, la langue française, voilà, quoi, c'est un peu de la merde, ça s'écrit avec un H au début. Mais bon. On va dire que c'est la langue française, hein. Toujours là. Il comprend rien. Vous allez voir un streamer qui se débrouille. C'est quasi un pro de Pokémon qui a fait Helio. Ok, voilà. C'était juste pour corriger. Disons que. Ouais, qu'on peut dire des lettres silencieuses dans les langues. Enfin, pourquoi ils ont fait ça, Et t'as des herbes. Comment est-ce que dans un monde où t'as pas de créatures de Pokémon et tout, ils ont peut-être pas beaucoup d'oxygène, t'as de l'herbe. Ok, c'est apparu. Oh, regardez qui est là! Le petit Helio qui va se faire péter la gueule! Comment ça va? Ça va? Le concept de gène est-il familier? Mec! J'ai relu mes cours SVT 1 million de fois depuis que je suis au collège. Donc évidemment que je connais les gènes, voyons. Enfin, les gènes sont des samouraïs, mais de bras madame. C'est quand son gars est-il compliment. Terre, bla 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 bla. En gros, pour ce dialogue-là, cherchez Wikipédia ADN et vous comprenez. Voilà, remerciez-moi.
Helio, évidemment, évidemment. Par contre, Helio, je peux dire un truc, c'est très bien pour le machin là, mais tu peux juste fermer ta gueule en fait. Désolé, mais tout le monde s'en fout un peu. Voilà. Allez, allez, dégage. Voilà, c'est bon. Monologue man. Je disais un monologue là, c'est pas possible. Ok. Ah, j'y comprends pas. Le monde distorsion, je pense que si le néon dans les remakes 4G là qui vont sortir, ça serait trop clair, ça serait. En 3D, tu aurais bien plus de potentiel, mais bon. Après, il y a des chances que ça perdrait aussi le charme de l'original. Donc, en 3D, je sais pas comment ça peut être. Comme dirait Jean JP Bisou. Ah oui, Jean-Pierre Fanguin. Oh, Jean-Pierre Fanguin, mais c'est une star. Oh, purée. Si on se sou... Allez, on me souvient qu'à l'époque, enfin, il était parodié énormément. Et il est toujours, je pense. Je comprends rien au puzzle de ce jeu. Enfin. Pourquoi est-ce que je galère? C'est des puzzles pour petits enfants. Pourquoi je galère? Je crois. Ah non, je me souviens ce qu'il faut faire. Oui, je me souviens. Je déteste les puzzles dans Pokémon. Allez, on se bouge un peu. Ok. Ah mais non, si je. Ah, c'est pas... Allez! Hop! Oups. J'espère que je me trompe pas de chemin, sinon. Ok, donc il faut pousser le caillou dans le. Oui, je me souviens. Je me souviens parfaitement de ça. Ça, je m'en souviens très bien. Hello, salut Grumji, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, parce que bah moi ça va super. Allez, on va utiliser force avec notre très chère Sophie. Allez Sophie, montre-nous ta toute puissance. Je sais pas si on peut considérer ça comme de la puissance, mais après faut demander ça à... Après, vous savez, pour savoir si un truc de force est puissant, faut juste demander à un fan de DBZ. Et donc mon avis sur la force, sur l'attaque force, c'est pas de pousser un seul caillou. Ah, je suis contente que ça vient pour toi, Gilles. Attendez. Pour la puissance d'une force, vous savez, pour régler ça, faut demander à un fan de DBZ. Et la force d'utiliser un, de pousser pour un seul petit caillou, je vais dire, c'était pas une force incroyable, mais bon, on va dire que bon, il n'y avait pas trop de budget pour les CS. Bon, alors, on fait quoi maintenant? Parce que je suis un peu paumée en fait. Ah non, je viens de comprendre. Oui, allez. Je comprends plus d'ailleurs. Un jour, je comprendrai les puzzles de ce jeu, hein, mais. Un jour. Donc, si j'ai bien compris. On fait force de nouveau. Oui, je veux utiliser force, oui. Je fais très bien le coup du rafale, hein. Voilà. Dites. Voilà, pourquoi. Alors, par contre, à quoi sert de pousser des cailloux dans le truc, enfin. À part si j'ai pas compris un truc, mais. Expliquez-moi. Que un mec, c'est bien vrai, mais pourquoi ils ont designé ce puzzle? Ok. Y'a pas un truc? Attendez. Attendez. Oh, purée. Je sens que ça va être un puzzle de 2 heures, là. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée, c'est peut-être débile, mais on s'en fout, hein. L'important, c'est d'essayer. Comment est-ce que. Oh non, je viens de comprendre! Attends, j'ai une idée. Oh, purée. On va y arriver. Attendez. Bon, on va regarder un peu aux alentours s'il n'y aurait pas un truc. Non.
Ça va me rendre fou, ce puzzle. Alors... Non... Le mec qui a designé le monde distorsion chez Game Freak, franchement... je sais pas qui t'es, mais je t'aime pas. Tu n'es pas mon ami. Voilà. Faut parler à Cynthia. Ça va, Cynthia? Pendant que moi je fais le puzzle, toi tu fous rien. Ouais, c'est. Bravo, hein. Ceux qui disent Cynthia est badass, regardez, pendant que moi je fais tout, elle est fout rien. Bravo, hein. Bravo, hein. Oui, hein. Elle est tellement badass, hein. Oui, hein. C'est énervé. On fait feignasse, Cynthia. Oui, mais comment est-ce. Oh, putain. Quand j'ai une chance. Je suis en train de perdre la boule. Un jour j'arriverai à faire des puzzles, des jeux Pokémon. Je vous préviens. Mais. Oh, je sens que ça va. Bah non, parce que là... Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Attends, mais... Attendez, je vais chercher une solution sur internet. Solus, puzzle, monde, distorsion, platine. Allez, dis-moi qu'il y a une solution, s'il te plaît, sinon je vais te péter un câble. Ok. Remonter, puis aller à gauche, s'il vous plaît. Remonter, puis aller à gauche. Donc, pardon, je remonte. Alors, ah non, je viens de comprendre. C'est juste moi qui comprend très rarement les choses. Oui. Ah d'accord, je viens de comprendre. J'ai enfin compris. 2 heures plus tard. Mais je touche le caillou. Voilà, il est tombé. Donc maintenant, je vais là-bas. Je saute. T'as un endroit qui me permet de descendre. Merci la Solus, hein. Qu'est-ce que je ferais sans les Solus dans Pokémon? Sans la Solus des puzzles dans Pokémon, parfois. Qu'est-ce que je ferais? C'est de la couture? Super, c'est bordé. Oh, il m'a fait peur ce con. Giratina, voilà quoi, il fait un peu peur. Je comprends absolument. On se fout de moi. Non mais. Il y a Elio là-bas.
Attendez. Là. Par là. Par là. Bah non. Par là. Mais non, je suis en train de retourner en arrière en fait. Là, je suis en train de retourner en arrière. Mais... Il n'y a plus d'équipement. On va voir. À part s'il me suis coupé, mais. Oh, j'en peux plus des puzzles. Oh, c'est de la merde. Ils le savent que c'est de la merde leur puzzle. Je suis en train de devenir fou là, je vous jure. Allez, par là. Mais oui, je me souviens, je me suis perdu comme un con. C'est super. Elle dit quoi la souris? Merde, oui, je suis d'accord. Mais c'est pas possible. Attendez. Et donc, déjà, c'est pas par là. J'en veux plus. Vous en faites pas, je sens qu'on va même pas faire Helio pendant ce live parce que le puzzle de merde m'en empêche. Donc, on fait hop, 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 hop. Ok, on est revenu à l'endroit de base, ça m'a... J'ai totalement pas perdu un petit point de santé mentale, hein, non, totalement pas. Hein, mais bon... Alors... Je me suis trompé de chemin. Pour la 140e fois dans le jeu. Allez, on bouge. Allez, bon. On va par là. Je me souviens, par contre, à la personne qui a courage. Merci, je dis 59. Franchement, là... Là, j'en ai besoin du courage. Heureusement que je joue sur... clavier, en fait. Parce que au moins, je sais, parce que une manette c'est facilement rachetable, mais un clavier ça coûte super cher. Donc là j'ai moins, donc là j'ai pas forcément envie de le casser. On remonte en haut. Non. C'est quoi ce... J'y comprends que dalle. Bon, on va remonter sans prendre... Oh, les gens. Ça va me rendre fou. Allez, c'est juste un mauvais moment à passer. Ça va aller mieux après. Il y a un chemin. On dit j'ai trouvé un chemin, c'est bien. Trouver un truc. Ah, t'attires, voilà. Mais comment t'as fait, Helio? Tu m'expliques? Comment t'as fait pour pas te perdre? T'avais une carte du lieu? On me dit pas qu'il y avait une carte, que je peux prendre des cartes du lieu à l'entrée que j'ai pas vu. Comme vous savez, les cartes à Disney, le Disney là. Me dites pas que c'est qu'il y en avait une comme ça là-bas et que j'avais pas vu, si c'est ça.
Ah oui, ça, je me souviens, c'est bien dans le bon chemin. Et... Par contre, genre, on va surfer sur une cascade, mais alors si je peux surfer sur une cascade sans avoir besoin de la CS cascade, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser la CS cascade pour tout court au final? C'est la question qu'on se pose. Okay. Allez, c'est bon. J'ai regagné les 10 points de santé mentale que j'ai perdu, c'est bien. Allez, accélère le jeu, s'il te plaît. Je sais que t'es lent, mais je crois en toi. Allez, allez, le jeu. Allez, allez, on croit en toi. Allez, allez. Ah, allez, le jeu. Allez, le. Ok, et après on descend, on pousse les deux cailloux dans le bon endroit. Quand même, pousser des cailloux, c'est... Pourquoi pousser les cailloux, ça aurait une conséquence? Enfin... Je sais que t'as une chanson avec le caillou à l'intérieur, mais... T'as un deux, je crois, t'as un générique d'un dessin animé, puis t'as un truc pour apprendre des exceptions grammaticales, je crois, qui rime, enfin... Je sais plus trop, mais... Tout ça pour ça, quand même, hein. Ouais. Ça pour un puzzle à la ouais. Donc Créelf, il est là. Ok. Je sais même pas si c'est Créelf ou. Ah non, lui c'est bien. Oh purée, je. Le nom des trois filles là qui nous aident, là, j'ai toujours pas retenu et je m'en fous en fait. Je sais que Créfollet c'est la rose et... Ah non, lui c'est Créfadé. Créfollet c'est la rose et c'est celle qui est la pire stratégiquement. Et allez, bien, allez, allez! Donc, oh, j'allais pousser dans le mauvais coup. Allez. Allez, on pousse! On pousse! Paf! Paf! Olé! Ensuite, on va parler à Cynthia qui a rien foutu pendant que moi je me démerdais en fait, voilà. À faire le puzzle, elle attendait là et elle a rien foutu. T'aurais pu m'aider quand même, hein. Trêve de barger, il n'y a pas une minute à perdre. Alors pourquoi t'attendais pas? Alors pourquoi t'attendais à rien foutre? Enfin, je sais que j'en demande beaucoup trop. Peut-être j'en demande trop à un jeu Pokémon, mais. Tellement j'en demande trop à un PNJ d'un jeu Pokémon, mais quand même. Enfin. Nous y sommes, Giratina est par là. Ça va être le combat contre Elio. On va l'éclater. J'ai une strat pour Elio. En fait, le truc qui fait peur dans son équipe, c'est son Léviator. J'ai une strat, je vais vous l'expliquer en détail, mais c'est pas une strat. Disons que c'est pas une strat très. Voilà quoi. Disons que c'est pas une strat. Disons que ça. Bon, va y avoir un sacrifice. Allez! Elio, ramène-toi, Démolos. Donc, vous voyez, Vegeta, il est niveau 51, Ultiplos combat. Au revoir, Démolos! Sayonara! Ensuite, on va switch sur Booper. Ouh! Et vous allez voir la stratégie de génie. On va l'endormir avec bâillement. Il fait cascade. Ok. On utilise une hyper potion. Du coup, là, il s'endort. Du coup, on switch sur Caillou. Je ne réveille pas. Et on fait explosion. Non! J'allais faire explosion pour tuer, mais ce petit con, il s'est réveillé au premier tour. Super, on est dans la merde. Attendez. Plan B, plan B, plan B. J'ai un plan B, j'ai un plan B. Vous en faites pas. Ok, c'est Giga Impact, tu pas. Ouh, oh putain, ça fait peur. Oh putain, c'était pas prévu au programme ça! C'était pas prévu au programme! Hop! Le base, il fallait que je sacrifie. Plan B, ouais, plan B. En gros, on va essayer de l'affaiblir avec Surf. On fait des dégâts merdiques, mais c'est le meilleur qu'on peut faire là. Sinon, c'est toute la team qui perd. On continue de faire Giga Impact. C'est parfait. C'est parfait, mec. Il continue. En fait, il fait Giga Impact parce qu'il voit le kill avec Giga Impact.
se dire que un coup critique et on peut perdre vos peurs. Et dans ce cas-là, game over, c'est la fin de la partie. Je vais me re-soigner, c'est trop risqué en fait, parce que s'il se réveille au premier tour, Plan B. Mais pourquoi j'étais dans ce bus? Ah mais non, en fait, c'est pas cool parce que ça booste surf. Ah, oui, mais ça booste ses cascades aussi. Oh, purée. Il fait séisme. Ah, parce que ses attaques ne tuent pas tout. Ok, on se calme les enfants. Mais fais Giga Impact, bordel. S'il te plaît mec, fais Giga Impact. En plus il peut me tuer avec une cascade crit, c'est bien. Il faut qu'il fasse Giga Impact, ok, elle puisse arrêter. Tant qu'il fait Giga Impact, on est bien. S'il fait pas Giga Impact, on est dans la merde. Ouh, allez, on se détend. On se détend, ça va aller. On n'est pas un... Allez, occupe pas, on n'est pas un concert de Big Flo et Oli. Allez, on fait rendre des dégâts de nous. Fils de... J'ai envie de te tuer, là, Ino, tu sais. Je sais pas à quel point j'ai envie de te tuer, mais là... Respire. Allez, comme dirait un grand stratège du monde que je regarde, qui est plus communément appelé le pote de Fidrong, reste calme, pour que je me calme, en fait, mais j'ai tellement peur, parce qu'il va me faire giga impact critique, il tue mon peur et après je suis foutu. En plus, il faut qu'on fasse un surf critique, sinon on a perdu. Oh. Hiro des putains. Bah oui, Hiro des putains, enfin. Oh. Ok, oh j'ai risqué, il aurait pu faire Giga Impact, oh purée, mais bon là, il baille, il fait dodo, allez, ça va bien se passer, allez, faut se détendre un peu, allez Whooper, entends ma voix, fais un surf coup critique, je t'en supplie. Je t'en supplie, Whooper. Ok, les dégâts sont présents. Ok, tant qu'il reste endormi comme un con, on a une chance. Ok, il se réveille, il fait séisme. On va se soigner, mais je sens qu'il a encore une guérison. Allez, il a pas de guérison, donc ça veut dire. Il faut qu'il fasse Giga Impact en fait. S'il fait pas Giga Impact, il peut pas faire bâillement. C'est ça le problème. Allez, on risque. Ouais, enfin, allez, Whooper, pour la nation. Oui. Oh putain, j'ai eu la peur de ma vie. Allez, Corboss. Heureusement, il y a fin du sop. Ou toi, tu vas voir comment tu vas souffrir, petit con. Un gros givre. Deux gros givres. Forza. Je sais pas ce que tu voulais dire, mais... Ah non, Forza. Allez, Whooper! Allez, du coup, là, il m'a envoyé, nous s'en faire. Non, c'est Dimoré! Oh! Oh, je suis con, j'ai confondu. On va te saigner à blanc. Bah oui, on va le saigner à blanc, Elio, on va le saigner à blanc. Non. Allez, close combat! Allez! Oui! Ouh, tout va bien! William, je stresse pas, hein, que la force soit avec moi. Allez, dernier Pokémon, allez. C'est l'heure du combat. Harry versus Nostanfer. Allez. 3, 2, 1.
Oh, il m'a fait peur. Oh, on a failli perdre. Oh purée, si c'était pas réveillé, on n'aurait pas autant galéré. On aurait juste eu sacrifice de Caillou, mais faut quand même dire, j'aurais dire GG à Caillou, parce qu'il s'est sacrifié pour qu'on puisse gagner le combat. Allez, une minute de silence. Bref. Allez, la minute de silence est finie. Rien de la faire comme ça. Mais gardez ma pose comme ça jusqu'à ce qu'on attrape Giratina. Allez. Ok, donc faut que j'attrape Giratina. Tu sois de mon équipe, c'est bien, mais malheureusement, tu peux pas le ressusciter, Caillou, en fait. Il est mort. RIP. RIP, Caillou. Yes, GG. Ah, oh, purée. Ouais, GG à Caillou, quand même, qui a fait un travail monstrueux. Oh. Aussi, GG à Whooper, qui a tanké plein de cascades de giga impact de Fardus. Non, du Léviator. Qui... Vous voyez là, Elio, il a pris un Léviator dans son équipe parce qu'il a vu la puissance du Fardus. Genre, je devais RIP pour mon très cher... Un truc très cher. Caillou, Elvia. Elio, vous savez pourquoi il a un Léviator? Il a vu la puissance de Fardus et il s'est dit... Je dois contrer son Fardus avec mon Fardus. Malheureusement, ce n'était pas le vrai Fardus qu'il avait. Bye. Allez, Giratina. Allez, ça va être chaud comme combat. Allez. Ça va être chaud. Vous pensez vraiment que j'allais essayer de le combattre, en fait? Donc c'est vraiment bien non plus. Bah évidemment, bah je vais me balancer la Master Ball à la gueule en fait. Allez Giratina, je vais jamais te viser parce que t'es un légendaire donc t'es craqué. Je vais t'appeler. Interdit. Après illégal découvrir son frère, interdit. Ferme ta gueule, Elio, je t'ai éclaté. Donc, si tu veux trop faire éclater, pas de problème. Il y a Fornus, il a cette petite. Il peut s'étoffer dans ce dragon, hein. Un petit con. Allez, dégage. Dégage. Dégage, Elio. Dégage! Putain! Il va dégager, Elio. 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 Ta gueule, en fait. Voilà, allez, casse-toi. Personne t'aime. Alors. Ok, donc allez. Ok, on rentre chez nous. Allez. Oui, allez, on emprunte le passage. D'ailleurs, quand je me souviens, je crois qu'il y avait un mec qui était pop-up. Ah oui, c'était le piquet du coin. Du coup, vu qu'on est dans une nouvelle zone, bah je vais attraper un Pokémon rien que pour toi, le piquet du coin. Enfin, je sais que tu regardes pas le live, mais bon, voilà quoi, je t'élance. Oui, t'inquiète, oui, en même temps, j'ai pas mignon. Ok, par contre, je vais faire escalade. Allez, Caillou! On va utiliser le cadavre de Caillou. Allez. Hit zone! Ah, mais non, j'ai déjà engagé. Allez, Pocket Zone qui n'est pas un doublon. Mais c'est de la merde! De la merde, mais ouais. Allez. C'est nul, mais même son évolution à Echo est pas ouf, mais ouais, bah, c'est nul. Allez, on va l'appeler. Du coin. Voilà. MDR. Ouais. Du coup, la suite. Donc, du coup, on va aller. On va essayer de trouver un autre truc. Il faut qu'on se casse d'ici. On va dire bonjour au professeur machin là. Oui, Sorbier là. Il a le nom déjà. Attendez. Ah, tu peux trouver ton vol. Super, ça me rappelle un certain Pokémon que j'avais avant.
Pourquoi est-ce que j'ai perdu courageuse? Oh putain. Allez, escalade. Allez, le cadavre de caillou. Je veux dire que le cadavre de caillou quand même un allié très efficace. Ah, t'avais Terraclope aussi. Oh putain, je suis déçue d'avoir tombé sur, d'être tombé sur un Corion. J'aurais pu avoir un Terraclope, ça y a un plus de gueule. Après, Corion, il est mignon, mais il est un peu nul. Voilà. Du coup, on est dans le chemin source. Route 214. Par contre, je me demande juste un truc. Ça se trouve où la dernière ligne du jeu, c'est voir Rivamar sur la carte. Ok, ça se trouve près. Ok, ça se trouve près de là où on est. Ok. En plus, si on perd, en plus, on aurait pu perdre Hooper. Et si on avait perdu Hooper, on avait perdu notre moyen de vaincre la reine électrique. Purée, c'était chaud ce combat, et viens pas me saouler, dis-toi, avec ta bouée, là. Ta bouée, oui. Non, elle est moche, ta bouée. Hein, arrête de dire qu'elle est belle. Sans coquille. Oh, il le petit sans coquille, il va crever avec le combat. Oh. T'as deux sans coquille. Si, son dernier Pokémon, c'est un sans coquille. Mais je vous prédis les teams adversaires, maintenant c'est pas possible. Allez. Donc en gros c'est simple. On remonte là-bas. Vous savez quoi? On va relâcher interdit, on va relâcher l'équivalent de Satan dans la nature. Allez! Bye bye interdit! Allez. Du coup, on va utiliser le cadavre de courageuse pour nous envoler très haut dans le ciel. Pour aller utiliser vol. Pour dire au professeur Sorbier, oui voilà. Ensuite, on retourne. Vers champ, on enlève le courageux de notre équipe pour la dernière fois de la run. On va à Littorella. En volume, bah allez, en volume. Allez! Berger tes bois de retour, je suis sûrement tu as réussi pour le monstre. C'est vrai que je ne crois pas. Par contre, on n'a pas peut-être cherché à vous. Donc, c'est fait un simple pour vous. Ah oui, je sais pas. Bah ouais. Juste acheter des potions à la boutique parce que Helio, purée, il a vidé notre stock. D'accord. Voilà, c'est bien. On est bien comme ça. Voilà, c'est assez clean. Donc on va s'envoler vers... Pourquoi j'ai voulu faire un petit vol? Vers champ. On va remettre Rosa dans l'équipe, du coup.
Et c'est la dernière fois qu'on va utiliser vol de tout jeu, hein. Allez. On va la monter de niveau. On va monter Rosa de niveau. Et on va au cas où mettre Harry en ligne parce qu'on sait qu'il y a un combat de rival avec Castex qui va envoyer son Hyperraptor en premier. On sait jamais. On va essayer d'être un peu plus prudent parce que bon, j'avais une strat pour le combat contre Eliola mais ça s'est mal passé et j'ai failli perdre. Heureusement, heureusement qu'ils ont peur. Allez, on se balade. Route 222, donc on va pouvoir attraper un nouveau Pokémon. Pocket Zone. Je crois que c'est Electek. Oui, Electek. Et en vrai, c'est pas mal. Un petit Harry, bordel. Mais Harry, mais Harry, fallait pas le tuer. C'est super, Harry, il a tué mon Pokézone. Harry, là, c'était pas une bonne idée. J'étais foiré. Salut Harry, tu t'es vraiment foiré là, qu'est-ce que tu peux avoir aussi du coup? J'aurais pu avoir un Electek! Mais Harry l'a tué, c'est pas possible! Il s'est retourné pile au moment chez nous! Oh, tu te comprends pas! Oh, je vais t'éclater! Baby Manta! Oh! C'est trop mignon, c'est un peu nul. Bah Sophie, let's go Sophie. Allez, ça dégage. Là où tu aurais cassé qui sera bien du coup pour les traptors, on va utiliser Sophie. Dans les maisons, il n'y a pas moyen de se soigner par hasard. T'as un gros fan de Pikachu. Il y aurait mes Pokémon n'utilisant que des Pikachu. Ouais, mais si elle a un catch chaque fois, donc je serais toi, je serais pas le coup. Ah, je vais mourir bien, je dirais qu'on l'a porté, mec. Ça t'y a cru? Ok, mon dernier dress. Je vais affronter tous les Pokémon du monde. Là, c'est déjà. Salut le Kika du coin, comment tu vas? J'espère que ça va bien parce que moi ça va. Par contre, tu vas rire parce que t'as pour se voir un poké. Un poké de zone. Malheureusement, c'était un Corillon, je crois. Et malheureusement, Corillon, c'est de la grosse merde. Mais bon, je pouvais pas le transformer en Mewtwo, le Corillon. Hein. Donc, t'en es, faut juste qu'on remette le Sprite de Roserad. Et je sais pas si t'étais là en retard. Si t'étais là avant, mais. Bien, ouais. Mais le combat, on a fait le combat contre Helio, c'était un cauchemar. On a perdu, Caillou, le grave, l'ange que je devais utiliser comme sacrifice, mais il a pas pu faire le sacrifice avec l'explosion, donc, voilà. Alors, attendez, le sprite de Roserad. Voilà. Voilà. On risque pas de faire la seconde arène aujourd'hui, hein. Pour se cacher. Oui, on va 100% pas
viens d'arriver. Ah, tu viens d'arriver. Ok, bah. En gros, il y a eu le combat contre Elio et on s'est fait rouler. On a failli perdre. Voilà. Du coup, par contre, je pense pas qu'on va pouvoir faire l'arène aujourd'hui. Mais bon, il y a encore un puzzle à la con dans cette arène. Et bon, vous connaissez les puzzles. Hein. Il faut que j'aille au spa. Enfin, par contre, juste chercher son token pour me soigner d'abord. Sur Pokémon dans cette ville. On va juste dire au champion d'arène qu'il faudrait qu'il bouge un peu là parce qu'il veut plus faire son taf. Et après on arrêtera le live. Parce que bon, vu que c'est un gros puzzle, l'arène qui fait, je pense pas qu'on va pouvoir finir aujourd'hui. Pourquoi accéder des bâtiments à accéder à des bâtiments pourquoi ils ont fait une ville aussi bordélique? On m'explique, ça sert à rien une ville comme ça. Comment est-ce que tu passes là-bas? Carrefour, ok, c'est bien, mais par là. Quoi le chapeau là? Après, vous savez quoi, on peut faire les thugs. Attendez, j'ai qu'à taper Solus Puzzle Arène Rivanar Latine. Du coup, on met juste un petit niveau en plus à toute l'équipe. Et pour ce combat, et pour cette arène, le vrai MVP, ça va être Hooper. Et aussi possiblement Rosa, mais bon,
crois plus en Whopper qu'en Rose, là, pour être honnête. Allez, on va faire l'arène. On est des thugs ou on n'est pas des thugs? Allez, on fait l'arène. Et du coup, alors, pour les deux prochains lives, d'abord, on se fera l'arme victoire, puis le combat contre. Après, je me demande si c'est pas possible de faire même la ligue en un seul live. Allez, laisse-moi passer. Allez, laisse-moi passer, mec. Yeah, allez, on se la fait. Pour l'instant, c'est simple, donc on n'a pas besoin de la Solus. Oui, évidemment, je crois que j'arrive au centre de l'arène. Oh, Pachinsung, il est trop mignon! Il va mourir! Ah, oula, il m'a fait peur avec son fatal, lui. Allez, dégage. Au revoir, hein. Alors, un coup. Du coup, ensuite, ça dit quoi? Prenez la plateforme de droite. Je crois pas que c'est obligé de l'affronter, mais on va le faire quand même. Par contre, le problème avec Whopper, c'est qu'il est lent. Là, c'est ça le gros problème, mais bon. Cette arène, elle est faisée avec un seul type sol, et ça tombe bien, on a un type sol. Et puis même, dans un cas désespéré, dans le cas où genre son EK pourrait... ferait, je sais pas moi, un pack ou critique qui tuerait vos peurs. Ah non, il est plus rapide que Fendus, donc j'allais dire un truc, mais non. Alors, on va appuyer sur le bouton bleu. On va appuyer dessus. On va réappuyer dessus. On va réappuyer dessus. Ah non, j'ai compris, il y a un escalier là-bas. Il faut comprendre. Ok. C'est l'arène la plus difficile de Sinnoh. Mais oui. Oh, Magneton! Ah, ça c'est plus fort par contre. C'était compliqué, oh là là, c'est vraiment l'arène la plus difficile de Sinnoh. Non? C'est l'arène spec la plus difficile. Oh, regardez, là-bas, il y a un petit gamin déguisé en Pikachu, c'est trop mignon. Allez, bouge. Bouge. Mais il se tourne pile à la putain de seconde où je passe. C'est pas possible. Oh, il y a un gamin Pikachu. Oh, c'est trop mignon. Et le Pikachu qui est mort. Oh, mignon! Oh, ce que je viens de dire. Par contre, je sens que Whopper il va être niveau. Il va être niveau 53 pour l'arène. Pichou! Pichou! Bah, ils sont pour Pichou et bah, ils sont morts! Qu'est-ce que tu vas apprendre? Au cookie, c'est de la merde. Oui, abandonne au cookie, c'est de la merde quand t'as déjà surf. C'est une faux euro. Ben, gros. Donc la dernière partie.
dit quoi dans la partie? Appuyez l'interrupteur rouge sur votre droite. Il faut le réactionner. Allez, tourne-toi. Retourne-toi. Retourne-toi. Mais pourquoi tu te retournes à la 10 secondes? Je viens. Oh, mais je vais. Les mecs ont des amis, ils ont pas de pattern, les dresseurs qui tournent en platine et que c'est random, je vous déteste. Allez. Allez. Je mets le truc là. Allez. La Lipec. Oh, j'aurais trop aimé avoir une Lipec, hein. Que de faire. Ça aurait fait que dalle si c'était pris, mais bon. D'accord aussi. Un Raichu. Malheureusement, la puissance de Céline est doublée quand l'adversaire utilise tunnel, donc. C'est bien tenté, mais non. Non. Ça marche pas avec moi. On la fait pas. Ok. Pourquoi est-ce que tu baisses ma vitesse? Je suis déjà ultra lent. On va chercher un truc, tant. Raichu. En Rivamar. Est-ce que son Raichu n'a pas une attaque? Est-ce que anti-Pokémon n'a pas d'attaque plante par hasard? Par hasard. Non. Ok, aucun de ces Pokémon n'a d'attaque plante. Ok, est-ce que je crois que Pikachu peut Raichu peut attendre de l'herbe? On va voir ça là. Nous affronter le dresseur en bas du distance. Le tech. Leurs teams sont très imaginatives, hein. Des électriques et des Raichu, c'est très imaginatif, hein. Oh, leur magnifique. Ok. On va être niveau 5, on va être niveau 54 pour cette arène. Il a 4 niveaux de plus que le meilleur Pokémon du champion d'arène. On va rouler sur l'arène. Allez, on booste l'attaque de Looper avec un petit objet. Ok. Voilà. Thank you.
Ok, je viens de comprendre. Donc ensuite, on donne le max élixir à vos peurs. Allez, let's go. Let's go. Allez, Tanguy, ramène-toi. Voltaï, hein. Allez, vous peur, montre-nous, montre-lui sa toute puissance, sa toute puissance. Les dégâts merdiques qu'il a fait avec ce trait. Oh, alors, Raichu. Lui, je crois, lui, il a Explo Force, mais bon. Bah, il s'arrête. Explo Force, ça a 70 de précision, ça a 30% de chance de rater. À direct, hein. T'as Giga Impact, mais pourquoi tu fais de l'attaque, t'es con. Allez, ça dégage. Allez, dernier Pokémon. Allez, Luxray, t'es classe, mais bon. Mais bon, voilà quoi, déjà, t'as pas vu. Mais quand même, il a fait des petits dégâts, hein. Là, s'il fait un crit avec ma chou, je suis mort, donc attendez. On switch. Bah voilà, une petite guérison, évidemment. Ouais. Allez, on tente la close combat. Allez, on fait four, putain. Mais faut que j'arrête de faire le fou, en fait. C'est ça mon problème, j'ai trop fait le fou. Oh, purée. Allez, on a fait la dernière... Allez, on a fait la dernière arène. Et du coup, je vais rajouter le sprite du badge. On a fait la dernière arène. On va pouvoir faire la ligne lors des on se rapproche de la fin. C'est 57 c'est quoi. Oh ce play à... Oh purée à la fois par contre ça a fait peur hein. Ça fait peur. Puis une petite frousse quand même. Hooper qui est quand même le MVP absolu du live, hein. Soigne. Allez, du coup, et eh ben, j'espère que ce live vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. On va peut-être faire la ligue, mais je suis pas sûre. Hein. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Moi, ça m'a énormément plu. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!